Salut tout le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo sur les rouges à lèvres Hydra Renew de Rimmel London. Donc ce sont des rouges à lèvres que j'ai achetés en ce début d'année. Donc dans mon Intermarché, il y avait une très grosse promotion, le rouge pour 4,35€ au lieu de 7,85€ il me semble. Je ne suis pas certaine des centimes, grosso modo c'est ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc la marque nous explique que ces nouveaux rouges à lèvres sont enrichis en vitamines A, C et E pour une hydratation intense et un confort maximal, je ne sais pas comment on dit. Donc ils sont très pigmentés, ils sont super crémeux, c'est leur point fort et leur point faible parce qu'à l'application ça pardonne pas, quand on dépasse on s'en fout partout quoi. Surtout que moi je mets du labello en dessous donc ça arrange pas... Ça n'arrange pas la situation, ça accentue encore l'hydratation. Mais bon, ils sont quand même super top. En plus, ils ont un indice SPF 20. Donc SPF, donc c'est facteur de protection solaire. Vous l'aurez sans doute deviné. Donc ces rouges à lèvres se déclinent en 16 teintes. Et moi, j'en ai 3. Donc voilà, on va commencer. Déjà, le packaging. Bon, c'est un packaging assez simple. On retrouve... je ne sais pas si vous allez voir. La petite couronne. Voilà. Je mets. Et donc celui-ci, c'est le numéro 170, Ringa Ringa Rose. Je sais pas s'il focus ou focus pas. Focus pas, tant pis. Et c'est un rose assez... assez nude, enfin... Il fait vraiment un peu pétard à la caméra, mais il est plutôt assez nude... Voilà. Et il est super crémeux. Donc voilà le second. Et le numéro 360. Et qui s'appelle As You Want Victoria. Alors celui-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit poil à chaque fois. Donc qui est un rose un peu plus. Un peu plus pétard, on va dire. Mais moi j'adore ce genre de. De rose, voilà. Très joli également. Le troisième est le numéro 180 Dark Knight Water Loops. Et c'est celui que je porte. Donc, qui est un bordeaux dans des tons violet-brun assez foncés. Bon, après, vous pouvez le décliner. Hein, ça dépend si vous... si vous le diluez ou pas, vous voyez. Il est très joli. C'est la première fois que j'ose un rouge à lèvres de cette teinte et dans des tons un peu soutenus, mais j'en suis vraiment folle. Après, nous avons le numéro 470, le Glam Plume Full Hand. Donc, vous n'allez pas vraiment voir. Donc, celui-ci, pareil, il ressemble un petit peu à celui d'avant. Mais vous allez voir, en fait, la différence. Il est... un peu plus rougé et un petit peu plus clair. Donc je ne sais pas si vraiment à la caméra, vous allez voir à la vidéo, il est légèrement plus clair. Ensuite, j'ai le numéro 330. Oh, le 330! Le 330 Coral Britannia. Et là, pour le coup, c'est un rouge à lèvres... bah, corail, hein, mais dans des tons assez nude également. Je vais le mettre en face de... Voilà. Donc, vous voyez, on a un nude plus corail et un nude plus rosé. Donc, ils sont assez satinés, ceux-là. Et pour finir... le numéro 510 qui est le Mayfair Red Lady. Donc là pour le coup, le rouge. Le rouge. Voilà pour mes petits rouges à lèvres Rimmel London Hydra Renew. Donc
application, comme je vous l'ai dit, il faut être assez précis parce qu'on dérape très facilement. Ils sont tellement crémeux, ils glissent, mais vraiment énormément. Ils ne dessèchent pas du tout la peau. La peau. Je sais pas si ça se dit la peau des lèvres. Bon, bref. Ils ne dessèchent pas du tout les lèvres. Ils sont super hydratants. Pigmentation au top. Tenue. Bah, comme je vous l'ai dit, puisqu'ils sont super hydratants, ils ont tendance à ne pas tenir énormément si vous mangez ou si vous buvez. Il va falloir remettre une couche. Mais sinon, ils sont top. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des petits chouineurs à la maison. Donc, je vais couper la vidéo et je vais vous les présenter. Bah oui, hein, ils veulent se faire remarquer, bah je vous les présente. Donc, je vous dis à tout de suite. Hello, me voici avec mademoiselle Jasmine. La voici, qui est toute mignonne. Elle fait partie des petits lardons qui chouillent pendant mes vidéos. Elle cherche une maman. On va passer à sa sœur. Donc me revoilà avec la sœur de Jasmine, qui est Japan. Voilà. Et Japan est la petite beuyouse du groupe. C'est madame Mamourette qui pleure pour avoir des câlinettes. Ah, et qui m'attaque ? Et Japan cherche également une gentille maman. Oh, viens ma belle. Et on va finir avec leur petit frère. Et pour finir, le petit garçon Jalito. Alors Jalito, je lui fais pas de bisous, j'ai du rouge à lèvres. Jalito, c'est le bébé maman. C'est celui qui fait des bisous. Bah oui, mon petit bébé. Voilà, Jalito, c'est ça. Jalito, c'est les bisous. Jalito, c'est de l'amour de Chihuahua. Jalito recherche une bonne petite maman qui saura lui faire des bisous et des petites gâteries, des petits nonos, des petits gâteaux. Voilà. Vous savez qui s'incruste dans mes vidéos? Ce sont les Chihuahuas, les petits bébés de mes bébés. Voilà. On vous fait de gros poutou, poutou, poutou. À bientôt.